C'était donc Merry Goes Round avec un extrait du premier album Sunset paru il y a à peu près 2 mois. Vous êtes donc toujours sur Pluie et Brouillard. Vous pouvez appeler au 40 93 26 62 pour poser des questions en direct au groupe Les Ch'tos. C'est sûr. Les Ch'tos, donc si vous voulez nous présenter un peu le groupe. Bah, Les Ch'tos, c'est 5 guignols qu'on avait marre de s'emmerder au troquet. Et donc on a acheté des instruments et puis ils se sont dit on va faire du rock'n'roll parce que c'est la musique qu'on préfère. Vous avez débuté quand à peu près ? Oh là, on a débuté, je sais pas, il y a 6 ans à peu près quoi. 6 ans on a commencé à jouer quoi, un petit peu comme ça. Et vous jouez quel style de musique ? On aura l'occasion tout à l'heure d'écouter mais... Ouais mais je sais pas, moi j'appelle ça du rock'n'roll, c'est difficile à définir autrement quoi. Du speed peut-être, speed parfois, speed pas speed des fois mais... C'est violent quoi aussi. Enfin je sais pas, c'est du rock'n'roll quoi, c'est la rage. La rage c'est pas forcément un tempo rapide quoi, ça peut être aussi un tempo lent, peut être aussi dévastateur quoi, c'est pas tellement. Vous avez des thèmes particuliers pour vos chansons ? Des thèmes ? Ouais. Non pas vraiment quoi. On fait ça un peu sur le moment quoi, l'impulsion quoi. Ouais, ce qui te passe. Du moins les thèmes changent que tu quoi, ressens. Toutes les semaines. Ouais. D'ailleurs, à chaque chanson, le thème change, quoi, parce qu'on a changé, on a vécu d'autres trucs, et puis voilà, quoi, ça change, ça évolue en fonction de ça, quoi. Dans l'album, vous parlez de quoi, par exemple ? Bah, je sais pas, on parle d'un peu de tout, quoi, ce qu'on est, ce qu'on fait, où on vit. Les femmes, tout ça, le sexe. Ouais, parce que ça en fait partie, quoi, je sais pas, on parle de nous, des autres, enfin, je sais pas, il n'y a pas de thème, vraiment, quoi, on parle de... D'une dépouille avec des copains, ou je sais pas, un malaise social, on parle de un peu de tout quoi. Vous vous êtes créé il y a longtemps ? Ouais, tu m'as déjà demandé. Il y a 6 ans, hein, on l'a déjà dit. Ouais, il y a 6 ans quoi. Enfin, créer, recréer, enfin bon, si tu veux, il y a eu des interruptions quoi. Des fois, quand les coups de gueule devenaient trop quotidiens, tu vois, on s'est séparés un peu quoi. Et puis, bon, on pouvait pas se passer les uns des autres donc. Bienvenue ensemble quoi. C'est toujours la même formation depuis 6 ans ou ? Ouais, c'est toujours exactement la même, ouais. Ouais, mais... parce qu'on était des copains avant tout quoi, donc si tu veux, il n'y a pas trop de problèmes d'entente quoi. Mais avant que Closer ne s'intéresse à vous, vous aviez eu d'autres contacts avec d'autres labels ? Ouais, bah GMG nous avait proposé de faire une compilation, et puis comme ça s'est passé au même moment que les contacts avec Closer qui nous proposent un 45 tours, donc on a préféré Closer quoi. Auparavant non, on avait des maquettes et on s'était fait foutre à la porte des petites boîtes de disques comme tout le monde quoi. Foutre à la porte, c'est-à-dire qu'on envoyait une cassette et puis bon, on nous répondait pas quoi, mais on était trop jeunes quoi, maintenant on comprend pourquoi. Enfin c'était peut-être pas encore ça quoi. Le 33 que vous avez sorti, il est sorti quand justement ? Bah, il est sorti juste avant les vacances, il est sorti un peu en retard. À vrai dire, il devait sortir au mois d'avril et puis il est sorti fin mai, ce qui fait que bon bah le tout a été retardé, la promotion et tout ça. Il est sorti pas une très bonne période quoi. Mais au mois de mai quoi, fin mai il est sorti. Et vous avez des projets pour continuer à en ressortir ? Est-ce que vous avez déjà des maquettes de prévues ou est-ce que vous pensez en faire ? Ouais bah ça de toute façon on pense en faire. On espère même du moins faire un autre album dans un moment quoi, mais bon disons que pour l'instant il a 4 mois d'existence, on vit un peu dessus quoi, c'est normal, on va essayer de le promotionner un peu. Bon, on part en tournée pour essayer de le faire rouler quoi un peu partout en France quoi. Tu dis que vous en vivez ? Enfin vous bossez pas en dehors ? Ah non, en vivre c'est un bien grand mot quoi, non on n'en vit pas quoi, non on bosse un peu à l'extérieur, mais enfin pas beaucoup quoi. Mais ça c'est parce qu'on est feignant, c'est pas parce qu'on a besoin d'argent. Bon, on dit que la plupart des groupes perdent souvent de l'argent sur les 33, bah, sur les albums. Ouais, tu peux appeler ça perdre de l'argent quoi, parce que... Enfin, ne pas en gagner quoi. Ouais c'est ça, t'en gagnes pas, mais bon comme c'est... T'avances toujours en plein de trucs, puis... Enfin ouais, tu perds de l'argent quoi, mais c'est comme toutes les passions quoi, je sais pas. Tu prends un mec qui fait de la course de côte quoi, c'est-à-dire qu'il n'est pas subventionné par une grosse écurie, il perd de l'argent à la fin de sa saison quoi, même s'il a des sponsors quoi, il investit toute la thune qu'il a. Nous c'est pareil. De toute façon, c'est pas le problème, faut bien se lancer quoi, je veux dire. Ouais bah ouais, puis bon ouais c'est ça, faut savoir investir, mais bon
Là, en l'occurrence, l'investissement, et toi, c'est le seulement l'investissement nécessaire, quoi. Ce qu'on on peut pas faire autrement, donc on le fait, quoi, pour continuer à jouer. Donc, mais ça me coûte de l'argent, c'est vrai que pour continuer à jouer, ça me coûte. Bien, maintenant, nous allons entendre un deuxième morceau, enfin, un premier morceau de Violatives, qui s'appelle Promenade et qui n'a pas été choisi non plus par Echtos. On vous rappelle que vous êtes sur Alternante et que vous pouvez poser vos questions au groupe en direct au 40 93 26 62. Je rappelle, le 40 93 26 62. Les Echtos, vous avez fait beaucoup de concerts et de premières parties ? Des concerts, ouais, on commence à en avoir fait pas mal, ouais, je sais pas. Depuis le début, tu veux depuis le début, je sais pas, peut-être 200 concerts, quoi. Je sais pas, entre 150 et 200, quoi, je sais pas exactement. Les endroits où vous avez principalement tourné ? Les... Bah, en France, quoi, essentiellement, mais partout en France, quoi. Partout en France, et puis on a fait une petite tournée en Suisse. D'ailleurs, on y retourne là bientôt en Suisse, faire quelques dates là. Mais bon, essentiellement en France, quoi, un peu partout. Vous limitez donc pas simplement à Nantes. Vous essayez de bouger un peu. Bah non, ça serait grave si tu veux, si on se limitait à Nantes. Si on avait fait 150 concerts à Nantes, ça serait un peu grave. Hein, on essaye d'aller voir un peu à l'extérieur ce qui se passe, quoi. Puis c'est ça, quoi, je veux dire, je sais pas, monter un groupe, si c'est pour jouer seulement devant tes potes, c'est pas la peine, quoi. Si tu veux, nous, on a d'autres ambitions, quoi. Toi, on veut quand même aller voir ailleurs ce qui se passe, quoi. Ça nous permet de voyager, c'est notre voyage à nous. Mais y a des concerts qui vous ont vraiment frappé, des premières parties intéressantes? Ouais, bah ouais. Les Lords, je crois que vous avez fait la première partie des Lords à Nantes. Ouais, ouais. Ouais, tu crois bien, oui, à Nantes. Et puis au Mans, on a fait la première partie des Lords. C'est moi qui te l'ai dit d'ailleurs. Non, je le savais. Mensonge. Ouais, ça c'est. Ouais, c'est l'effet marquant, quoi. Mais bon, on a plein d'autres, quoi. Des concerts bien, quoi. Devant un bon public qui bougeait bien. Des grandes salles. Même des grandes salles, ouais. Des salles connues, quoi. L'Ubu, vous l'avez fait, non ? Ouais, ouais. Ah, ouais. Mais, ouais, disons qu'on a fait un peu tout, quoi, à vrai dire. D'ailleurs, il nous manque pas grand-chose, quoi. Mais est-ce qu'il y a des concerts qui vous ont vraiment un peu effrayé, des concerts que vous appréhendiez Qu'on appréhendait ? Des grosses parties. Ouais, bah, c'est vrai que souvent, quand tu fais des premières parties de groupes importants, t'appréhendes vraiment, quoi. T'appréhendes de jouer devant presque deux fois plus de monde que tu ramènes d'habitude, quoi. Quand tu joues devant 1000 personnes, tout d'un coup, tu commences à avoir un peu peur, quoi. T'as le trac, quoi. Ouais. Mais moi, je sais pas, chaque concert, c'est un nouveau trip, quoi. Ouais. Alors, on a un deuxième membre des choses avec nous qui s'appelle... Hein, Manu. Plus près du micro. Manu. Emmanuel, à quel âge ? J'ai 24 ans. Il est venu avec ses parents ? Non, il vit tout seul. La moyenne d'âge du groupe est de combien ? La moyenne d'âge du groupe ? T'as pas une calculatrice ? 18 ans et demi ? Non, je sais pas. On va mentir un peu quand même. 23 ? Ouais, non, mais ouais, si, 23, ouais. En moyenne d'âge, quoi. Mais dépêchez-vous, bientôt ça va passer à 24. Sinon, vous avez combien de chansons votre actif ? Oh là, depuis le début ou... Ouais, depuis le début. Oh bah ouais, non, enfin, mais c'est dur, quoi. Là, si tu veux, en 6 ans, tu as le temps d'en jeter à la poubelle des morceaux, quoi. Mais vous en jouez combien en concert, à peu près ? Ça dépend, quand tu fais une première partie, tu joues, toi, pour plus de 3 quarts d'heure, donc tu vas en faire une quinzaine. Maintenant, quand tu passes dans un truc plus petit, où t'es tout seul, bon, là, tu vas jouer, je sais pas, 1h30... ou même plus, quoi. Bon, bah là, t'arrives à 25 morceaux, quoi. Ouais, le répertoire que vous jouez couramment, quoi, ça ferait 25 morceaux. Ouais, c'est ça, ouais. Couramment. Ensemble, hein. Mais bon, si tu veux, ça évolue, ça change, okay. Quoi. Ouais.
Le commentateur a un trou. Sa classe. Et maintenant, nous allons entendre un premier morceau des Ch'tos qui s'appelle Sweet 16. Elle a des seins. On est sur l'antenne. Bon, on a souvent dit que vous étiez les lords français. Enfin, quand on vous dit ça, quelles sont vos réactions? Ah, ça me fait rire. Non, mais je sais pas, ça... Y a pas de réaction à avoir. Si tu veux, les Lords, c'est un groupe qu'on aime bien, donc ça nous fait plaisir. Mais en même temps, bon, si tu veux, nous référencer par rapport à un seul groupe, et puis bon, je veux dire, on a quand même une identité, quoi. Je veux dire, qui se forge au fur et à mesure, quoi. Et sinon, vous écoutez quoi comme groupe? Enfin, quelles sont vos influences? Quelles sont nos influences? Oh, elles sont vachement diverses, quoi. Vous avez des groupes de prédilection, quand même? Oh ouais, bah toujours, mais tu sais, on est 5, donc faudrait que je t'en cite 25, c'est difficile, quoi. Mais bon, je sais pas, on aime bien les Ramones, mais on aime bien aussi du rhythm and blues, quoi. Je sais pas, Manu, par exemple, c'est un fan des Clash, ou tu vois, il y a vachement d'influences diverses, quoi. On vient d'avoir un appel téléphonique d'une jeune fille, Cécile Besson, de Nantes. Celle qui vous fait marrer autant? Voilà. La question, c'est, est-ce que vous avez ressenti le besoin d'exprimer ce que vous pensiez ou ce que vous avez vécu? C'est-à-dire, est-ce que vous avez le sentiment d'exprimer des vérités à travers vos chansons, ou alors est-ce que vous avez créé votre groupe pour vous révolter contre quelque chose? Bah, c'est les deux à la fois. C'est, je veux dire, on peut avoir envie d'exprimer une révolte, quoi, si tu veux. Et moi, j'ai vraiment l'impression d'exprimer ce que je ressens dans ce que je fais. Mais vraiment, quoi. Sinon je le ferais pas, quoi. Parce que je veux dire, c'est là, tu veux. Je le fais pas pour l'argent pour l'instant, tu vois. Faut pas délirer, quoi. Quand je gagnerai de l'argent, ça sera bien. Mais bon, je l'ai pas fait pour l'argent, quoi. Je l'ai fait pour exprimer ce que j'avais au fond de moi-même, quoi. C'est évident, quoi. Et tu fais pas du rock'n'roll si t'as pas au fond de toi-même, tu as un truc à dire, quoi.
J'aurais pu faire du théâtre aussi, pareil, il exprimait aussi d'une autre manière. Moi, il s'est avéré que c'est le rock and roll mon moyen, quoi. Puis voilà. Mais dans vos chansons, dans vos titres que vous faites, est-ce qu'il y en a certains en particulier, peut-être pas tous, mais que vous avez créé parce qu'il y avait quelque chose contre lequel vous vouliez vous révolter ou quelque chose qui vous tenait particulièrement à cœur? Ouais, il y en a un, il s'appelle « Ma bottle of wine ». On avait marre que Goret boive du rouge sur scène. Donc, on a fait « Ma bottle of wine ». Non, en fait, c'est pas ça, quoi. C'est chaque morceau, on pourrait dire ça de chaque morceau, quoi. Maintenant, te dire un thème défini et tout ça, je sais pas, c'est peut-être aussi à chacun de le retrouver, tu vois, au sein du morceau. Dire, nous, on a exprimé quelque chose, seulement, à l'écoute, ça évoquera peut-être pas la même chose à l'auditeur. Donc, ça lui aussi d'y trouver ce qu'il a envie d'y trouver, quoi. Qu'il prenne ce dont il a envie et puis c'est tout, quoi. Il vous est arrivé de faire des reprises ? Ça nous arrive sur scène, ouais. Ouais, bien sûr. De quel groupe, lesquels ? Attention, l'autre, il parle pas là-bas. Moi, je l'entends parler. On a fait des reprises des Sonics, des Kinks. Dernièrement, on fait une reprise de Creedence, tu vois. Bon, des morceaux qu'on aime bien, quoi. Et puis, on a aussi des reprises qu'on fait entre nous, tu vois. Qu'on fait mal, mais qu'on joue entre nous, qu'on fait pas sur scène, quoi. Parce qu'on les fait mal, mais ça nous fait plaisir de les faire. Et les Clash, j'en reviens aux Clash parce que l'autre membre du groupe apprécie beaucoup les Clash, mais c'est général dans le groupe, tout le monde aime bien ou on sait plus spécifique à un moment. Si tu veux, moi j'aime bien les Clash, mais les autres aiment bien les Clash aussi, quoi. Ok. Peut-être moins que moi, mais eux ils ont un mec ou un groupe qu'ils aiment plus que moi et puis ouais. C'est chacun. Quoi. Et une reprise, ça vous a pas tenté ? Des Clash ? Ouais. Si, mais on sait pas, on verra. On n'est pas fait encore. Non. Bah, si tu veux faire une reprise des Clash, c'est peut-être facile, quoi. On essaie de prendre des reprises de groupes qui sont un peu moins connus, des publics plus jeunes qui connaîtraient pas des groupes que nous, qu'on a connus plus tard aussi, quoi. Bon, maintenant on va entendre Minimal Compact, The Well, extrait du live, qui a été enregistré à l'Ubu de Rennes. Et ensuite on entendra un morceau d'Inmates, choisi par les Ch'tos. Thank you.
C'était donc Sgt Pepper's The Inmates enregistré en live à la Villette à Paris. Autrement, on vient d'avoir une question. Vous sentez-vous intégré dans la société ? Bah, pas vraiment. Si tu veux, quand tu fais du rock'n'roll, forcément, tu te marginalises un peu, quoi. Parce que, je sais pas, t'as une dégaine de voyous. Enfin, des gens, les gens le prennent comme ça, quoi. Mais ouais, tu te marginalises. Ouais, nous, on se trouve marginaux, quoi. Il y a plein de trucs qu'on n'arrive pas à suivre, des délires de... Enfin, les délires de gens, tu vois, qu'on n'arrive pas à comprendre. Ouais, on est situé un peu à côté, quoi, en marge. Même si on en profite, quoi, la société. Mais on est en marge, un peu, quoi. Ouais. Ouais, enfin, c'est-à-dire que la société, ça se résume peut-être pas simplement aux gens BCBG bien pensants, je veux dire. Non, mais pas forcément, si tu veux, mais... Le fait de marginalisation, c'est... Bah ouais, non, mais je veux dire, quand tu me dis ce que je pense de la société ou comment je me situe par rapport à la société, je te dis, je me suis en marge de la société, voilà. Okay, c'est okay. Tout, c'est clair. Sinon, pour en revenir à votre album, il a été tiré à combien d'exemplaires, à peu près ? Bon, je sais pas, il y a eu un premier tirage de 1500... Et puis bon bah là comme il arrive à épuisement il va être retiré quoi sous peu quoi par la maison de disques. Mais oui, vous êtes chez Closer. Ah oui, c'est vrai, ouais, j'ai oublié de le dire qu'on est chez Closer, on a une boîte de Havre qui nous a pas mal aidé et qu'on aide bien aussi. Ah, le titre de l'album, on l'a pas donné. L'album s'appelle No Feeling, ouais. No Feeling. Ouais, No Feeling, ça veut dire pas de sentiment. Et puis aussi peut-être qu'on n'a pas le feeling. Ou alors peut-être qu'on en a. Ça, c'est aux gens de choisir. L'étiquette de promotion qu'il y a sur l'album, qui dit ouais. C'est pas super mais c'est pas cher, c'est un délire ? Ça reflète un peu l'humour du groupe ? Ouais, en quelque sorte, ouais. Enfin bon, je sais pas si je dis que ça reflète l'humour du groupe, peut-être qu'on va nous prendre pour des gros nasses, quoi. Non, mais ouais, ouais. On a trouvé ça marrant, quoi. Et puis en plus, c'est vrai que c'est pas cher. Ouais, je pense que ça attire les gens, quand même, je veux dire. Quand quelqu'un voit ça, bon... Bah ouais, je vais écouter voir. Bah ouais, parce que pour qu'on fait ce genre de choses, si tu veux, c'est parce qu'on a aussi du mal à rivaliser, tu vois, avec les grosses productions, ouais, et tout ça. Donc si tu veux, on essaie de trouver, tu vois, un petit truc qui sort de l'ordinaire pour essayer d'attirer un peu les gens, quoi. On fait pas ça, je te dis, on fait ça quand même pour le vendre, quoi, si tu veux. C'est notre but, quoi. On va entendre un deuxième morceau d'Echtos qui s'appelle My Bottle of Wine. We'll be right back.
Et on aimerait savoir si, pour votre deuxième album, vous resterez dans la même lignée musicale. Est-ce que vous ferez des tempos plus speed, plus de balades, ou est-ce que vous vous remettrez complètement en cause? Je sais pas, si tu veux, l'album n'est pas encore... est loin d'être prêt, si tu veux. Comme je te l'expliquais, le premier album est sorti il y a 4 mois, donc si tu veux, maintenant, pour l'instant, on vit un peu dessus. Mais on a fait quelques nouveaux morceaux. Il y aura de tout, quoi. Il y aura du speed, il y aura aussi peut-être un peu plus de balades, mais toujours des balades soutenues, quoi, dans notre style, quoi. Tu vois, toujours avec pas mal d'énergie, quoi. Et vous comptez pas inclure de nouveaux instruments, comme, je sais pas, un accordéon, un harmonica a priori, non, mais pourquoi pas, si tu veux, on n'est pas fermé à des instruments. Il faudra qu'on... Ouais, t'es pas obligé de me couper, alors, bon... Il faut qu'on voit, quoi, sur le moment, si tu veux, en fonction de chaque morceau. Bon, tu vois, sur l'album, on a rajouté du sax, on a rajouté des claviers sur un morceau, tu vois, un truc comme ça. Bon, a priori, si on rencontre quelqu'un qui nous fait bien de l'armo, peut-être qu'on fera un morceau avec lui, quoi. On n'est pas fermé sur les instruments, quoi, si tu veux. Ça m'étonnerait qu'on se fasse que des synthés un jour, quoi. Mais bon, il y aura toujours une dominante de guitare, ça c'est évident. Mais bon, il y a des instruments qui peuvent venir se greffer là-dessus, quoi. Autrement, il y a une question posée très intéressante, c'est est-ce que vous pensez rester ensemble ? Eh ben, c'est une question très intéressante. N'est-ce pas ? Non, a priori, si tu veux, ce soir, on s'est pas foutu sur la gueule, donc normalement, demain, on devrait être toujours ensemble. Maintenant, je peux pas te dire ce qu'il adviendra de nous dans l'avenir, mais ouais, pour l'instant, ça va, quoi. On compte bien rester ensemble, on s'amuse bien. Mais non, il n'y a pas de blanc. Il n'y a que du rouge. Question. Qu'est-ce que ça veut dire, les ch'tos ? Les ch'tos, ça veut dire... ça veut dire pas... Enfin, disons que dans notre jargon, ça veut dire... une petite dépouille, quoi. Ça veut dire... Enfin, c'est un gros mot, quoi. À vrai dire, je peux pas le dire à l'antenne, quoi. Je te le dirai dans le creux de l'oreille tout à l'heure. Et c'est votre premier groupe à chacun, ou vous avez tourné dans... Enfin, vous avez fait partie d'autres groupes avant? C'est notre premier groupe à chacun, à part notre batteur qui a fait un jour un concert dans une kermesse avec un groupe. Et c'est tout. Et à part ça, ouais, sinon, ouais, c'est notre premier groupe à chacun. Maintenant, vous allez entendre un morceau de The New Christ. Ouais, The New Christ, ouais, ça c'est nous qui l'avons choisi. Ouais. Ouais, c'est un groupe qu'on aime bien, c'est un groupe australien qui vient en France bientôt, là. Et dont vous allez faire la première partie. Ouais, voilà, on va assurer une bonne partie de la tournée en première partie, justement, des New Christ. Alors, le titre s'appelle A Burn Out of Time, je crois que c'est pas celui que vous avez choisi. Ouais, non, mais il est bien aussi celui-là. Ouais, c'est pas grave. C'est pas vraiment entendre celui-là. Du tout.
get what you came for. I get too straight, I said, even though you're beautiful, I gotta tell you no. Stick with me, I'll track you down. That's a promise, baby, I will. Cause I was born. Your thoughts, they don't seem like mine. No, 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 not my baby. Too bad, too bad, too bad. Wanna see me, even now I'm dead, living out my time, my karma's in the red. Oh, she can keep a habit, she can show me fucking pills. One day you will understand. Je rappelle aux auditrices qu'elles peuvent poser leurs questions au 40 93 26 62. 40 93 26 62. Et vous avez des concerts de prévus? Ouais, là, c'est-à-dire à partir de la mi-octobre, on part en tournée en première partie des New Christ. On passe pas à Nantes, mais on passera à Fontenay-le-Comte, je crois, c'est le 21 octobre, ouais. Avec Jade Vio, les Nomades, Kid Pharaon et New Christ. Ouais, voilà, ça va, je pense que ça va être une bonne soirée, quoi, un bon festival. Ouais, donc on part avec les New Christ, et ensuite, au mois de novembre, on part en tournée, bon, un peu l'Est de la France, et puis la Suisse. Voilà. Autrement, est-ce que vous avez fait Bourges, Festival de Bourges? Bourges, non, on n'a pas été à Bourges. Et qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi? Ah ben non, si tu veux, Bourges en lui-même, si tu veux, l'événement, c'est bien. Mais donc, la manière dont on aurait pu y aller sans avoir l'album, c'était de passer par les présélections. Et bon, les concours, c'est pas tellement notre truc, quoi. Je te le disais tout à l'heure, on en a fait au début, quoi. Puis, si tu veux, c'est pas notre truc, quoi, à chaque fois. Bon. Je pense que ça se passe mal, quoi. On est vraiment pas content de l'ambiance qui règne, quoi. Si tu veux, c'est très socioculturel, c'est bien, tu vois. Mais bon, c'est pas ce qu'on préfère comme ambiance, quoi. On préfère un concert, boum, un concert. Alors bon, je veux dire, j'espère peut-être qu'avec l'album, on ira au printemps de Bourges, si tu veux, mais sans passer par les présélections. Ouais. Puis bon, si on n'y va jamais, bah tant pis, on ira. Pourtant, Bourges, ça permet quand même d'élargir son public, quoi, je veux dire. Ouais, mais bon. Je suis d'accord, je veux dire, des gens qui connaissent pas du tout, ça peut quand même ouais, aider, quoi. C'est d'accord, si tu veux, mais bon, à la limite, faudrait peut-être demander carrément à Elmer Footbeat qui ont été
cette année, tu vois, il faudra leur demander ce que ça leur rapporte, quoi. Ouais. Alors, c'est pas moi qu'il faut poser la question. Je pense que vous aurez peut-être des surprises, quoi, si vous répondez, quoi. Bon, je veux dire, ça peut t'apporter des choses, c'est vrai. De toute façon, un concert dans une grande enceinte, ça t'apporte toujours quelque chose. Dans quelles conditions tu le fais, si c'est pour qui, tu vois, si c'est pour jouer devant 100 pélos en jouant 20 minutes. Si tu veux, je vois pas ce que Bourges peut t'apporter, quoi. Enfin, à moins que t'aies des contacts, ou alors t'es le gros producteur avec le ciguerre qui se pointe, qui dise « Vous m'intéressez, et donc je vous emmène. » À part ça, je vois pas tellement, tu vois. Ouais, vraiment pas. Quoi. Et pour Elmer, les... Sauf sur les grandes scènes, quoi. Mais les présélections, ça te mène pas forcément aux grandes scènes, quoi. Pas aux très grandes scènes. Ouais. Enfin, du point de vue de l'ambiance, c'est quand même intéressant comme concert, parce que c'est des gens qui viennent là pour délirer, quoi, qui viennent là pour connaître. Mais tout à fait, par délirer. Contre, je veux dire, j'ai pas critiqué l'événement, tu vois. L'événement lui-même, c'est quelque chose de. Ça permet de faire des bons de concerts. Fantastique. Quoi. Moi, je te parlais des présélections, okay. Si tu veux. Les groupes. Si tu veux, pour des groupes comme nous, si tu veux, ça va pas nous apporter grand-chose, quoi. Soit on passe sur une scène plus grande, devant plus de gens, et là, bon, bah, ça peut intéresser plus de monde, on peut avoir des contacts. Sinon, bon, Bourges, on passe un peu à côté, quoi. Alors que ça reste un événement formidable, quoi. Pour les Elmer, les retombées ont été surtout médiatiques, puisqu'il y avait leur passage est assez apprécié. Ils ont fait une grande campagne de pub. Ouais, mais médiatique, ça dépend, quoi. Médiatique, ça, ouais. Bah déjà ils sont passés dans Best le mois dernier. Que t'avais cassé un tambourin sur le. Bah, c'est pas moi, si tu veux, c'est le chanteur. Mais ah ouais. Casser un tambourin sur quoi? Ouais, sur scène, non. Sur ça, ouais, sur si quelqu'un, veux, non. Si, s'il avait, si tu veux, c'est vachement violent. Si Goret, le chanteur, hein. Comment il s'appelle? Goret, ouais, on l'appelle Goret. Tu sauras peut-être un jour pourquoi. S'il avait cassé seulement un tambourin, si tu veux, ça serait pas très grave, quoi. Mais il a cassé beaucoup d'autres trucs. Mais c'est plus par maladresse, si tu veux, que par violence. S'il m'écoute, il va me foutre à pain quand je vais rentrer. Non, mais si tu veux, c'est pour essayer. Je peux lui lancer un message? Ouais. Je lui dis, écoute, Goret, maintenant on fait des relations publiques, alors je peux pas dire que tu es violent. Il faut dire que, au contraire, tu es un mec qui t'exprime simplement que tu es un peu maladroit. Alors, Ordac, c'est une question très intéressante à vous poser. Oui, Cécile et Catherine ont rappelé. Elles aimeraient savoir si vous avez déjà relégué la musique au second plan pour des minettes. Ça, bah, ça a failli arriver, mais bon. Ouais, ouais. Enfin bon, je sais pas, peut-être, si elles venaient directement poser leurs questions, peut-être que je pourrais leur répondre, peut-être que... Justement, vous m'avez décrit tout à l'heure, il paraît qu'elles sont... Non mais, laisser de côté nos minettes pour la musique, ouais, en quelque sorte. Je veux dire, quand tu pars en tournée pendant un mois, tu privilégies la musique par rapport à ta minette, et puis à d'autres moments, tu vas privilégier ta minette par rapport à la musique, mais généralement, les autres membres du groupe, tu vois, ont du mal à l'accepter parce que tu peux pas aller à contre-courant de la marche du groupe, quoi. T'es bien obligé de suivre la marche du groupe, quoi. Si tu veux, s'il y en a un qui vient plus aux répétitions parce qu'il a une minette, bon, on comprend un moment, quoi. Mais à la fin, si tu veux, on le speed un peu, on lui dit, bah écoute, on est cinq, quoi. On est embarqué dans la même galère. Tu sais, un groupe, c'est une femme jalouse aussi, quoi, quelque part. On va écouter un nouveau morceau de votre album, Unchained That Girl. Oui, il est très très bien. Ouais, très, très sans bien. L'accent. Il est très très bien. Unchained That Girl. Yeah.
J'avais une question aussi. Est-ce que vous avez beaucoup de groupies? On en a des milliers, des milliers. Des milliers nous attendent chaque soir à la sortie de notre répétition. Tu me crois? Non. Bah t'as raison. Non, mais il y en a, ouais. Ouais, bah, mais comme tous les groupes, quoi, c'est normal. On a des copains, on a des groupies, c'est, je veux dire, c'est absolument normal, quoi. Parce qu'on est des mecs gentils. Puis en plus, on joue bien. Ouais, comme Cécile et Catherine. Sexy. Puis on est pas mal, en plus. Enfin, je sais pas, t'as deux représentants, là, tu vois, ça classe un peu. On ne peut pas voir à la radio, mais vous êtes vraiment sexy. Ah ouais, mais c'est vrai que la beauté, c'est pas très radiophonique. On vous l'assure. On peut voir que vous avez des chemises style champi, même. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais en plus, il manque plus qu'une petite pluie là, et bientôt on va pouvoir aller faire les courses dans les champs, batifoler. Et après, on sera comme les vaches, on regardera les trains passer. Quelles sont vos relations avec les autres groupes nantais? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous avez déjà fait concert ensemble? On s'entend extrêmement bien, hein, avec absolument tous les groupes. Vous êtes sociable. D'ailleurs, on n'a pas envie de se fâcher avec eux. Non, mais ouais. Enfin, disons qu'on fréquente plus spécialement des groupes comme Squealer, quoi. Et puis Elmer Footbeat, on en connaît certains, ouais, ils sont sympas. À vrai dire, c'est les mecs de Squealer qu'on fréquente le plus souvent, quoi. Je sais pas, parce qu'on s'entend bien, quoi. Il y a un esprit commun, quoi. C'est en rapport à votre musique ou... Non, pas forcément, parce qu'on peut pas appeler notre musique, franchement, du hard rock, ou c'est pas du heavy metal, quoi. Mais si tu veux, c'est un esprit, quoi. C'est pour ça aussi qu'on aime bien les Elmer, alors que c'est complètement opposé comme musique. Mais on retrouve un esprit chez ces mecs-là qu'on aime bien, quoi. On s'entend bien quand on parle de la même chose, quoi. On se comprend bien à ce niveau-là. Mais est-ce que vous aimeriez rentrer au top 50? Question qui nous, ouais, non, nous mais gratouille. Si tu... Ouais, mais bien sûr. Alors bon, je ne peux pas dire non parce que je fais partie d'un groupe de rock'n'roll et que le rock'n'roll, c'est alternatif. Moi, ce que je reproche au rock alternatif, c'est justement qu'il est alternatif. Si tu veux, c'est que ce problème, on te propose autre chose, oui. Si tu veux, mais on est tellement peu nombreux, tu vois. Que à la limite c'est pas super, quoi. Moi ce que j'ai, moi, c'est entre top 50, ça voudrait dire que j'ai vendu au moins, je sais pas, 100 000 albums, peut-être même un peu moins, d'ailleurs on peut y rentrer en vendant beaucoup moins, tu vois. Mais ça voudrait dire que ouais, et puis je vivrais de ma musique, quoi, ça serait bien. Oui. Moi ça me plairait, je vais te dire. Hein. L'argent c'est toujours ça. Ça me plairait bien, si tu veux, parce que j'ai pas trop envie d'entrer dans la fonction publique, quoi. Donc si je pouvais vivre du rock'n'roll. Et bon, à partir du moment où le top 50 ça reste qu'un classement, même si ça entraîne plein de trucs derrière, si tu veux, ouais, mais ça reste un classement. Pensez pas qu'à partir du moment où on rentre dans le top 50, après on fait des trucs vraiment nuls, quoi, parce que on veut sortir de plus en plus d'albums, ouais. On rentre de plus en plus. Non, mais on précipite, mais on précipite la sortie. Ce que tu comprends pas, c'est pas quand on est au top 50 qu'on fait de la merde. C'est pour y rentrer qu'on fait de la merde, si tu veux. Après, on continue pour y rester. Mais si tu veux, si un jour, tu rentres en faisant un truc qui te plaît, toi, que t'estimes pas être de la daube, bah, je veux dire, rien ne t'empêche après de continuer la même chose, puisque ça marche. Regarde, la Mano Negra vient. La Mano Negra, vous connaissez sans doute, tu vois, c'est un groupe qui monte, là, vraiment, en France en ce moment. Bon, Virgin les pousse, tu vois. Bon, si Virgin les pousse bien, ils viennent d'être signés, justement, ouais, chez Virgin. Si Virgin les pousse bien, ça pourra rentrer dans le top 50. Je pense pas qu'une fois qu'ils seront rentrés dans le top 50, ils vont changer radicalement leur musique, quoi. Parce que leur musique, si elle est capable d'entrer dans le top 50, pourquoi elle y resterait pas? Sans pour la changer. C'est valable aussi pour Noir Désir, si tu veux. Je pense pas qu'ils aient fait leur musique. Ils ont fait leur musique, ils sont rentrés dans le top 50. Je pense pas que maintenant... Enfin, à la porte du top 50, si tu veux. Mais je pense pas que leur musique changerait, quoi. Si tu veux, le problème, c'est qu'il y a plein de groupes qui font de la dope pour rentrer au top 50. Voilà. Mais t'as dit que si jamais les ventes de l'album marchaient pas, t'aimerais pas te reconvertir dans les ventes publiques, enfin dans la fonction publique. Ouais, dans la fonction publique. Est-ce que vous avez déjà pensé à une reconversion éventuelle? Ça serait mentir de dire que ça n'a jamais traversé l'esprit d'aucun de nous, quoi. Mais c'est une idée qu'on chasse rapidement, c'est sûr. Pour mieux se consacrer à quelque chose, il vaut mieux ne pas avoir d'autres projets, quoi. Si tu veux, si on pensait tout, si tu veux, à faire carrière dans l'informatique, grâce à Educatel, ben on ira moins souvent en répétition, et puis de moins en moins, puis dès qu'il y a une galère, ben on se barrera, et puis voilà, quoi, c'est tout. Donc nous, on préfère ne pas avoir d'alternative. C'est mieux. Après, il sera suffisamment temps d'y penser. Mais, je sais pas, moi j'envisage pas la possibilité, c'est tout. Je préfère. C'est mieux. Voilà, donc maintenant on va entendre un morceau choisi par Echtos, c'est Jet Vio. C'est You're Gonna Miss Me, une reprise d'Eric Sage. C'est faux, je l'ai pas choisi, j'adore. Si, c'est plusieurs. Il l'a choisi. C'est absolument faux. Et Echtos en première partie de Jet Vio le 20 octobre à Fontenay-le-Comte. Yeah.
gonna miss me, baby. You gonna miss me, sweet. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Warning, but you never hear me. How can you say you miss my loving? Oh, when you never need me. I
C'était The Pollen, un morceau Bushes and Briars, et puis maintenant quelques questions d'auditrices. Toujours avec nos célèbres Stos. Alors, Cécile et Catherine ont rappelé, elles vous font la bise par ailleurs. Elles aimeraient savoir si, quand vous sortez, vous cantonnez dans votre petit monde ou vous essayez de voir d'autres horizons. Ça dépend ce que t'appelles petit monde, quoi. Je veux dire, nous on vit dans un monde, mais on le trouve grand, quoi. Déjà, on le trouve vachement grand pour nous, quoi. Ouais, vous n'êtes pas sectaire. On essaye d'aller voir ailleurs, ouais. Bon, c'est vrai qu'on va voir beaucoup de concerts, donc forcément, tu vois, on reste quand même dans un univers clos, mais bon, on a quand même des activités à l'extérieur, et donc on voit d'autres gens, quoi. Puis, je dis, si les gens, ils veulent venir nous voir aussi, c'est bien, quoi. Mais les gens, des fois, nous causent pas, quoi. Mais quand je sais pas, parce qu'on a peut-être une sale apparence. Quand tu dis que tu vas voir d'autres concerts, mais non, tu restes toujours sur le rock'n'roll ou tu vas voir d'autres trucs genre. Bah, je veux dire, je veux voir d'autres trucs quand j'y suis obligé, tu vois, y a pas de problème. Hein. Non, mais... Ouais, je vais voir d'autres trucs, mais c'est vrai, c'est ma musique préférée, c'est normal, tu vois, que j'aille voir des concerts de rock'n'roll. Mais je vais en voir d'autres, hein, ouais, non, mais y a pas de problème, moi, c'est vrai, moi. Mais vous vivez surtout la nuit ou... nocturnes. Ouais, bah disons qu'on vit la nuit le plus souvent possible, mais ouais. Bon, parfois on a quelques obligations, on travaille quelques jours dans l'année, et bon, là on est obligé de se lever, mais c'est vrai qu'on aime bien vivre la nuit, ouais, c'est notre vie. C'est toujours une question d'auditrice. Ouais. Oui. Ouais, elles sont charmantes vos éditrices, on aimerait bien les connaître. Mais parlons un peu culture, parce qu'on nous dit le rock'n'roll, les rockers, c'est pas des mecs culturés, mais par exemple... Mais tu l'as dit, hein. Par exemple, est-ce qu'il y a un film qui vous a marqué récemment? Est-ce que vous allez voir Batman? Est-ce que vous aimez La Soupe aux Choux, par exemple? La Soupe aux Choux, ouais, non, mais ouais, je trouve ça rigolo, quoi. Je trouve c'est un bon film. D'ailleurs, je crois que tu sais bien le mimer, c'est non? C'est un grand classique. C'est hein. Ouais, c'est un classique du comique, quoi. Peut-être dans le Bombay. Du comique. Ouais, enfin... Ouais, c'est ça, à peu près, quoi. Enfin bon, tu vois les trucs, les extraterrestres, tic-tic-toc-toc... Ouais, bah voilà quoi. Non, mais ouais, c'est complètement. C'est bien. J'aime d'autres trucs aussi, ouais. Mais vous suivez l'activité artistique sur Nantes? On la suit sans jamais la rattraper, si tu veux. Oui, mais c'est pas évident. Hein? C'est pas évident. Non, mais ouais, on essaie de se renseigner, puisque de toute façon, on a essayé quand même de travailler, de faire des plans, tu vois, dans le spectacle, même en dehors de notre groupe, tu vois, on essaye de bosser, de faire des éclairages, du son, ou enfin la plupart du temps faire les routes, quoi, tirer des caisses dans les concerts ou dans les spectacles. C'est pas vraiment une activité culturelle, ça, hein. C'est pas une activité culturelle, si tu veux, mais on est au sein de la culture. C'est notre seule activité culturelle, si tu veux. Mais non, mais ouais, je sais pas, on essaye de ouais, tu veux dire je vais au théâtre, ouais, je vais au théâtre, ouais, deux fois par an, ouais, à Noël et au premier de l'an. Mais sinon, c'est tout, quoi. Non, mais je veux pas aller à l'opéra, j'aime pas l'opéra. Je vais au cinéma, j'ai été voir là, après la guerre. C'est quand même bien foutu. Voir 6 mois après la sortie, quoi, je sais pas. Ouais. Je vais souvent voir les films 6 mois après la sortie. Je vais voir après la guerre, là, c'est le même type qui avait fait le grand chemin, là. C'est bien, ouais. Moi j'adore ça. Batman, là, par exemple, ça te tente pas, hein. Batman, ça me tente moins, quoi, si tu veux, c'est un côté... Je veux le cinéma américain, enfin, ce genre de cinéma américain, j'aime pas trop, quoi. Lui, il va falloir l'attacher, hein. Ah, est-ce que vous avez des menottes, là? Ouais, non, parce que... L'expression libre. Ouais, bah, c'est expression libre, mais bon, assieds-toi, et puis on va s'exprimer librement dans le calme. Alors, le dernier morceau des Stos qu'on va écouter, c'est Bagabou. Alors, comment... Non, c'est le titre. Expliquez-nous la force qui se dégage du titre. Bah, ça s'appelle Croque-Mitaine. Ça vous évoque quelque chose, les Croque-Mitaines? Oui. Vous savez ce que c'est? C'est le petit bonhomme qui mange tout le monde, là. Ouais, en gros, qui ouais. Il vit dans les placards, c'est ça? Pas forcément, non, mais... Enfin, ouais, enfin, c'est une invention, un peu, quoi. Ouais, bah, puis, je sais pas, on avait... Et Bagabou, ça veut dire Croque-Mitaine? Ça veut dire Croque-Mitaine, quoi. Et puis bon, Croque-Mitaine, ça peut être aussi plein de gens, quoi. Ça peut faire référence directement à un problème réel, concret, tu vois. Mais un problème de société, tu me parlais de problème de société tout à l'heure. Un problème de société, peut-être. Tu peux y aller. Bagabou.
Au niveau des concerts, sachez que demain il y aura les Wumpapos au Maltais. Ouais, ce soir, mais enfin là ça doit être fini, alors c'est peut-être pas. Ouais. Bon, on peut aller ce soir voir les Wumpapos. Le 27 septembre au Majestic, il y aura Trust. Alors qu'est-ce que vous pensez de Trust? On n'en pense rien. Bon, ben voilà. Le 27 septembre, le même soir, il y a l'escale Caoutchouc avec les Lion's Bones, qui étaient là il y a 15 jours. Hein. Le 28 septembre, le lendemain, toujours Caoutchouc avec Picasso de Simios, qui était là la semaine dernière. Ah, on a la concurrence avant nous. Le 29 septembre, il y aura Caoutchouc avec Ngawa, qui ne sera jamais dans cette émission. Et le 29 septembre, les Bumpers au Maltais. Bon bah voilà, c'est fini avec les concerts. Donc nous allons vous laisser, rendez-vous la semaine prochaine. Nous allons finir sur un morceau de Baos, The Slice of Life. Et bah la semaine prochaine, normalement, nous aurons Dada's Noise, si tout va bien. Bah moi je vous dis bonsoir, et puis je fais une grosse bise aux petites qui appelaient... comme... Ouais, Cécile et Catherine, oh, ouais. Bise à Cécile et Catherine. Non, non. Et puis, bah, je sais pas, si vous pouvez nous les faire rencontrer, ça serait cool. Non, mais il n'y a pas de problème. Pas de problème. C'est parti très serviable, vous. Très gentil. Donc, serviable, tu as dit serviable pour les qualités. Destroy.